Je vais donner la parole à Monsieur Gauthier-Boucher. Oui, c'est toujours piquant que M. Séguéla nous fasse la leçon alors qu'il n'était pas présent tout à l'heure lors de la minute de silence. Monsieur le maire, mes chers collègues, le groupe Rassemblement National Union Nazairienne, tout d'abord, fait la demande d'un vote à bulletin secret pour les délibérations numéro 4 à 6 incluses. Et puis concernant la nomination de la nouvelle adjointe au maire, notre groupe aura donc l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Monsieur le maire, ce fut votre choix en tant que candidat en 2014 que de constituer une liste faisant une place modérée à la jeunesse, modérée pour ne pas dire faible, vis-à-vis des discours habituellement portés par votre formation politique sur la nécessaire implication des jeunes dans la chose publique. Parce que tout à l'heure, incidemment, vous avez cité la génération Mitterrand, 1980 à 1995, nous ne voyons pas beaucoup de vos adjoints qui soient de cette génération, nous n'en voyons même aucun. Le Rassemblement national, pour sa part, compte faire une part beaucoup plus grande aux jeunes dans la nouvelle équipe municipale qu'il mettra en place. Et ainsi avons-nous précisé ces jours derniers que sur les 10 adjoints au maire, qui est d'ailleurs un chiffre réduit, la moitié auront moins de 30 ans. Nous voyons dans cette démarche un gage de renouvellement générationnel et nous pouvons l'espérer, un renouvellement de pratique. Le vote concernant les adjoints nous donne également l'occasion de préciser que le RN aspire à constituer une majorité de large union. Et ce faisant, nous aurons l'occasion de proposer une des 10 délégations d'adjoints au maire à un ou une élue d'une des listes de la future opposition municipale. Et nous affirmons de la sorte notre souhait de dépasser les étiquettes en allant au-delà des partis, avec comme seul horizon l'intérêt des Nazériens. Et ceci, nous en sommes convaincus, ne se formaliseront pas excessivement qu'un des adjoints au maire puisse provenir d'une liste différente de celle initialement présentée par le RN. Voilà, monsieur le maire, chers collègues, merci de votre écoute. Merci, monsieur.